Monsieur le Président de la délégation spéciale, Monsieur le Secrétaire préfectoral de la Ligue Sahoui, Monsieur le Président des organisations de la société civile, Monsieur le représentant de la Direction générale de l'USAFIDIA, Mesdames, Messieurs les invités, tout protocole confondu, chers collègues de l'UOIFI, chères populations du Kenya, nous remercions très chaleureusement d'être présents à la présente cérémonie de remise de dons à la communauté de Kenya, à laquelle nous sommes très attachés depuis la crise sociale de 2012. Mesdames et Messieurs, voir Kenya, que l'on considérait autrefois comme le petit pays, perd de sa splendeur et de sa présence, était très difficile pour l'UOIFI. Voilà pourquoi notre entreprise travaille d'arrache-pied aux côtés de l'ONG ASI pour donner de l'espoir à la population du Kenya. En plus des denrées alimentaires que nous apportons tous les ans, nous avons eu à offrir 200 abonnements au complexe lycée collège Kito, dont les élèves français amènent le soir. Nous avons également aménagé et équipé une salle informatique au siège de l'ASI et afin de permettre aux élèves du Kenya d'être également à la pointe de la technologie. L'informatique étant toujours incontournable, nous avons donc mis à la disposition de ces élèves cette salle. Comme l'a dit tout à l'heure le président de la CIF, nous prévoyons aussi cette année d'autres activités qui vont être incessamment mises en œuvre pour vous donner l'occasion de découvrir, donc entre autres la rénovation des projets annoncés par le président de la CIF. Mesdames et Messieurs, nous encourageons et félicitons l'ONG ASIF à poursuivre ses activités de développement communautaire et les invitons à penser à des idées de développement pour redonner à FIA sa splendeur d'antan. Nous serons toujours à ses côtés pour l'accompagner. C'est également l'occasion de remercier ici les autorités de FIA pour l'ensemble des efforts qu'ils déploient pour la ville de FIA. En ce qui concerne l'Ivo Énergie Guinée, qui, comme vous le savez, est une entreprise qui commercialise les produits Shell, Caviar et Lubrifiant, nous continuons à œuvrer dans les activités communautaires aussi bien à Kenya qu'en Guinée en général. Nous souhaitons un bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane du Kenya. Fasse Dieu accepter nos prières et effacer nos péchés. Je vous remercie.